Bonsoir les amis, voilà pour vous le journal Le Vinard pour le Quintet du lundi à Clairefontaine, 16 partants. Steeplechase, la distance 4500. Grand Steeplechase de la ville de Deauville, 110 000 euros. Handicap listed. Septième course. Grand Steeplechase de la ville de Deauville, 110 000 euros. Steeplechase handicap listed, 4500. Voilà mes amis. Voilà notre quintet rassemble les chevaux mâles et hangar entre 5 ans et 10 ans. 16 partants. 16 partants. On essaie de dominer cette équipe. Alors, 16 partants. Steeplechase. Les chevaux de 5 à 10 ans. Hangar et femelle. Pas de mâle. Le 4 porte les œillères. Le 2, le 3, le 5, le 8, le 10, le 11, le 16 portent les œillères australiens. Australiens. 2, 3, 5, 8, 10, 11, 16 portent les œillères australiennes. Des anti-slash. Le 4 porte les œillères. Voilà les jockeys, mes amis. Le 1, Kadibour, hangar 6 ans. Le 2, M. Chilolo, hangar 9 ans. Le 3, c'est Le Fèvre, hangar 6 ans. Le 4, Gérévélé, hangar 10 ans, porte les œillères. Étoile indique les œillères. Deux anti-slash indiquent œillères australiens. Le 5, Mademoiselle B. Frost, femelle 7 ans. Le 6, Théborin Hanger, 8 ans. Le 7, LP Brécher, femelle 7 ans. Le 8, Jean Mazur Hanger, 7 ans. Le 9, Mademoiselle C. Prichard. Attention à cette demoiselle. Hanger, 7 ans. Le 10, Bellestrade, femelle 6 ans. Le 11, A. Ruiz Gonzalez, femelle 5 ans. Le 12, Azuliani, femelle 8 ans. Le 13, Techevillard, femelle 7 ans. Le 14, Canabet, femelle 7 ans. Le 15, El Boubois, hangar 9 ans. Le 16, El Vandame, hangar 6 ans. On continue avec Michael Mescam, le conseil des professionnels Michael Mescam. Voilà son pronostic, 9, 2, 7, 10, 8, 4, 13, As. Repéré sur les pistes par nos reporters Harmony Dinaï, numéro 7. Dernière minute, le 13. La synthèse du statisticien, 1, 7, 8, 11, 9, 5, 2, 13. L'interdit du tiercy, bat, Dream, numéro 16, écrasé. De 5 kilos au poids. Voilà quelques lignes, on va les lire. Pour le professionnel Mescam, dans ce quintet retenu, dans l'un des temps forts du meeting de Clairefontaine en steeple, il est logique, dans un premier temps, de faire confiance à la ligne du prix Léopold d'Orzetti. Le quintet référence en steeple sur 3900 mètres disputé le 1er juillet à Clairefontaine ce jour-là. Mohtaled, le 9, toujours vu aux ayants-postes, échoué de peu pour la victoire et terminé deuxième aux dépens de Charmino, troisième rapidement dans le coup. Et Punas, en diable, jusqu'au bout. Harmonie des Neys, je pense le 7, quatrième. Revenu de loin, terminé dans une action fort séduisante, tout près de trois premiers. Tout près de trois premiers. Flash d'avis,
Le 10, cinquième après avoir constamment été vu dans le groupe d'été et de Héraliste, septième sans excuse après avoir eu sa chance pour un meilleur classement lors de l'emballage final, ou bien l'emballage final. Je précise qu'ici la distance sera plus longue de 600 mètres et qu'à ce titre, la physionomie de la course va être totalement différente. Ensuite, écoute en tête, très endurci, Heroine Smart, très régulière en province et toujours dans une forme étincelante. Puis Booster de Berlay au top et qui aura l'avantage d'avoir de la fraîcheur sans autant de sérieuses possibilités. Voilà les repères sur les pistes par nos reporters. C'est classé excellente quatrième pour sa répartition dans le quintet référence du 1er juillet à Clairefontaine en steeple sur 3900 mètres avant de logiquement s'imposer dans la foulée dans une classe 2 le 26 juillet au Lion d'Angers. Resté dans de parfaites dispositions depuis au travail, il s'annonce à nouveau redoutable, comme l'a confié son entraîneur Gabriel Lenders à notre reporter Jonathan Caparo. Pour sa rentrée, il aurait dû s'imposer. Il a pris un cheval dans les jambes dans le tournant final, ce qui coûte la course. Dernièrement, il a logiquement passé le poteau en tête dans un lot à sa portée. Ce succès lui a valu une pénalité de 2 kilos, mais je reste malgré tout confiant. En effet, cette épreuve est tout simplement son objectif de l'été. Il n'est pas déclassé, mais a une première chance à défendre, d'autant que si les quelques pluies annoncées arrivent, ils ne pourront que l'avantager. On continue, mes amis. Voilà. La synthèse du statisticien, 1, 7, 8, 11, 9, 5, 2, 13, dernière minute le 13, Erwin Smart, l'interdit du tiercé le 16, Bat Dream, écrasé de 5 kilos au poids, le conseil du pro 9, 2, 7, 10, 8, 4, 13, à se repérer sur les pistes le 7. On continue avec eux. Voilà les performances, les cotes. Les entraîneurs. Voilà. On va essayer de réduire la dimension de la page pour pouvoir lire tout. Donc, d'accord. Alors, voilà les cotes. Le 1-6, le 2-9, le 3-9, le 4-11, le 5-10, le 6-35, le 7-7, le 8-12, le 9-8, le 10-14, le 11-13. Le 12-23, le 13-20, le 14-28, le 15-60, le 16-80. Voilà les performances, voilà l'opinion du vinard. On va agrandir un peu pour pouvoir lire ce truc-là. Voilà, mes amis. Le 1, tout est OK base. Le 2, priorité. Besoin d'une piste juste, souple. Le 3, compétitif, encore compétitif. Le 4, attention. Le 5, à surveiller. Le 6, mieux placé au poids, mais doit rassurer. Le 7, entraîneur optimiste, tuyau. Le 8, chuchoté, notre outsider préféré. Le 9, confirmation attendue. Le 10 peut à nouveau gratter un lot. Le 11, notre regret. Le 12, affaire d'impression. Le 13, dernière minute. Le 14, pas si simple. Le 15, difficile. Le 16, l'impasse, écrasé de 5 kilos au poids. Voilà. Je choisis une de base. 7-1. On leur associe les outsiders tels que le 2, le 13, le 9, le 8, le 3 et le 4. Je choisis une de base 7-1
On leur associe les outsiders tels que 2, 13, 9, 8, 3, 4. Aujourd'hui, mes amis, pas de page course par course du Vinard. Je vais vous faire, ou bien je vais poster une vidéo portant les lignes pour course par course du Paris-Sûr. Je vais les poster. Je vais vous faire une vidéo portant les lignes du Paris-Sûr parce qu'aujourd'hui, pas le journal ne contient pas les pages course par course, celui de demain encore, celui du mardi, pas de course par course. Et bonne chance, les Ikhwan, marhaba, avec plaisir.